Rouge barrait les grandes les affiches pour le centenaire. Oui. La grande guerre, je barrais grande et je grande. Mettais sale à la place. Sale. Oui, la grande. Ouais, c'est très positif comme terme. Oui, hein. Oui, tout à fait. Mais bon, maintenant, je pense que... Enfin, moi, je ne suis pas du tout une historienne. Hein. Maintenant, je commence à comprendre... Ah, mais je pense que ça a été une nouvelle guerre, enfin, des nouvelles techniques, avec beaucoup, beaucoup de technicité, des nouvelles armes. La première guerre industrielle. Voilà, c'est ça. Avant, il y avait la première guerre moderne, la guerre de sécession. Oui. Aux États-Unis avec la mitrailleuse. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est la guerre industrielle. Industrielle, c'est les quantités. Et puis, avec les fortunes industrielles qui sont faites avec. Quoi. Et dès qu'on parlait de paix, parce qu'il y a eu des réunions internationales de paix et tout, là, les actions en bourse chutaient. Bien sûr, mais même moi je fais partie d'un de mes arrière-grands-pères, pas vraiment mon arrière-grand-père, mais celui qui a élevé mes deux grands-parents maternels. Il c'était un des grands pacifistes d'avant la première et d'entre les deux. Ah, oui. Et il avait un journal pacifiste, c'est très connu dans le milieu pacifiste, libertaire pacifiste. Et j'ai donc récupéré plein de bouquins là-dessus qu'on trouve peu en fait. Et il y a plein de bouquins de l'époque où ils expliquent très bien, en nommant les gens, le lobby français qui a poussé à la guerre, qui a donné des fausses informations au ministère. Plus ou moins, comme on a pu voir avec la galère. Bien sûr, c'est pareil. C'est le bourrage de crâne. Et dans certains livres, ils disent carrément que par contre, du côté allemand, il y avait une vraie volonté de ne pas aller à la guerre. Ah oui. Que le Kaiser a mis très très longtemps, à se résigner. Il n'avait pas spécialement envie d'aller là-bas. Il y avait un lobby quand même allemand, mais qui n'était pas du tout avancé que le lobby français. Et le lobby franco-anglais, ça a été vraiment sacré saloperie. Mais c'est vraiment, voilà. L'idée, c'est que mes briquets, ils sont vides, mais c'est ça, c'est pourquoi on y va. Parce qu'à la limite, même si c'était plein, on peut devenir pote. Hein. C'est pas, les briquets, ils ne vont pas foutre le feu à la maison. Hein. Voilà. On était un peu l'énormité de la chose, mais il y a énormément de fraternisation, d'évitement, de combat, de tout ça. Énormément. Et vous avez des écrits de votre arrière-grand-père, non ? Ma mère en a, ouais. Il y avait un journal qui s'appelait La Voix de la Paix. La Voix de la Paix ? Ouais, c'est un des principaux journaux pacifistes. Et vous n'auriez pas un PDF où juste pour qu'on sache que ça existe et que je puisse le mettre l'idée c'est de récupérer des choses comme ça et de les mettre en PDF, enfin n'importe, sur n'importe quelle forme, pour pouvoir en parler. Mais voilà. Je pourrais vous apporter un bouquin à la maison, si c'est intéressant là-dessus. Et puis après, je vous prête. Et par exemple, vous voyez, là, hier est venu Michel Dixnier, qui est une personne qui a beaucoup de documents sur les 14-18. Et il a fait avec les presses universitaires de Rouen ou de je sais pas quoi, tout un bouquin sur la caricature. Et donc, lui, il m'a apporté toute sa partie de bouquin hier. Et là, il m'a donné ses caricatures, voilà, qui sont des caricatures de la Forge. Qui ont. Le spectacle de Jalimont, il s'appelle 14-19. Voilà, oui, je sais. Parce qu'on n'a pas démobilisé en 18. Ben non, on n'a pas du tout. On a envoyé les soldats français avec les soldats allemands ensemble. Au Balkan, en Allemagne, contre les Russes et pour écraser la révolution allemande. Oui, tout à fait. Et alors l'idée, c'est qu'après, ben moi je ne sais pas. Moi c'est parti parce que j'étais invitée aux portes ouvertes des ateliers du Kremlin et ils ont eu le dernier poilu. Et une artiste a dit, ça serait sympa si chacun faisait une heure, ça ferait un fil rouge. On a été deux à faire, elle et moi. Donc, et moi, j'ai fait ça. Après, allez-y, comme vous voulez. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Hein? Parce que c'est plus facile. Ah non, mais mettez-le. Voilà. Des fois, ils veulent pas y aller, hein. Alors.
on va dans les écoles élémentaires avec une compagnie de théâtre pour réfléchir sur le conflit, dans les collèges sur l'embrigalement. Enfin bon, il y a tout un travail autour avec différents publics. Là, oui, on a refait la cathédrale de Reims en biscuit de Reims. Elle a reçu 370 obus pendant la guerre, donc elle a été complètement détruite. Et donc là, nous, on l'a refaite à notre façon. Madame, vous pouvez vous arrêter, la dynamisation. Alors, c'est pour les guerres passées, à venir et actuelles. C'est, voilà, c'est une réflexion. Oui, il y a eu des haïkus faits en 14. Pardon ? Non, par des gens, des Français qui étaient initiés au haïku. Il y a eu une sorte de club d'haïku, vous pouvez les lire. Et donc, ce sont des combattants qui souvent se sont exercés à l'art de l'haïku. Oui, déjà. Alors, c'était vraiment un petit cercle. Hein. Voilà. Mais c'est intéressant de penser qu'il y a des. Alors, il y en a qui sont anonymes et puis d'autres qui voilà, ont laissé une trace. Oui, c'est aujourd'hui jusqu'à 20h. Là, oui, de prendre une carte. Il y en a plein là-bas. Ça, ce sont des extraits des illustrations, les blagues, les petits dessins de l'illustration, sortis de l'illustration. Oui, tout ça. Ça symbolise un champ de bataille pour réfléchir au devoir de mémoire. Non, ça, on allume un petit tas régulièrement depuis octobre 2014 et ça va être fait jusqu'en 2018-2019. C'est le centenaire de la guerre de 14-18. Ça sert juste de support à une réflexion sur les guerres en général, sur. Pour la guerre de 14-18, elle a changé beaucoup le monde, les frontières, les choses comme ça. Donc, c'est une façon de réfléchir ensemble. Ça, c'est, bah, tu vois, ceux qui ont la tête rouge, après la mise à feu, ils deviennent des blessés. Parce que pour moi, les allumettes sont des soldats, des allumettes fantassins. Les fantassins, ce sont des soldats qui marchent, ils sont à pied. Et tu vois, une boîte d'allumettes, généralement, dans l'intérieur, c'est le fouillis. Ben, quand on commence à les embrigader, à vouloir qu'ils aillent se battre, des fois pas pour des bonnes raisons, des fois pour des bonnes, mais des fois pas pour des bonnes. On commence, tu vois, quand tu vois un défilé militaire, ils sont tous bien alignés, tout, même mes allumettes, elles commencent à devenir un peu soldats parce qu'elles commencent à être alignées. Là, ben, il y en a à peu près 13-14 000 allumettes. 13-14 000 allumettes à peu près. Parce que j'ai fait à peu près 60-70 mises à feu. En moyenne, c'est 200. Une boîte d'allumettes, c'est 240. D'habitude, je mets une grosse boîte, mais avec le vent là, je mets moins. Donc, c'est à peu près
c'est 14, 15, 16 000 allumettes. Et comment vous faites pour éteindre? Eh bien, tu vas voir, ça va s'éteindre tout seul. Parce que le bois va avoir été brûlé, il va s'éteindre tout seul. Alors, peut-être qu'il y aura, entre guillemets, ce que j'appelle des allumettes des blessés, parce qu'elles auront encore la tête rouge. Mais parfois, être blessé, ça veut dire que tu as tout le corps noir, donc brûlé, et qu'il y a la tête rouge. Et là, tu vois, il y a des publicités qu'on trouvait dans les journaux. Et ben, on parlait, au début de la guerre, on parlait des fausses, quand tu vois là-haut, des fausses jambes. La publicité a été toute petite. Et plus il y a eu la guerre, plus il y a eu des gens qui ont été amputés, plus la publicité était importante. Et à la fin, on disait quasiment que d'avoir une jambe artificielle, c'était mieux que d'avoir une vraie jambe. Voilà, ça c'est de l'embrigadement, c'est de la réflexion, c'est pour que les gens continuent à aller à la guerre. Ah, c'est pour que les gens continuent. Au revoir. Au revoir, merci de ton écoute. Voilà. Ah ben vas-y, non, mets-le sur le tas. Elle prendra. Peut-être aussi l'allumer au truc gris. Là. Ah. J'arrive pas. T'es pas bonne pour la guerre, toi. Hein? T'es pas douée pour la guerre. Non. Mais j'arrive pas. La clean comme ça. La guerre veut pas commencer. Non, vers toi. Ah, j'ai des pacifistes là. Voilà. Tu veux les allumettes, ça ou quoi? T'as raison. Très bonne idée. Sa chair était rose et chaude, elle est verte et froide, un cœur regretté de poule. Voici le prénom. Le petit pois et puis pas. Petite croix, épitaphe, Sigi, le soldat Grigny, il mourut pour l'ignorer. Paternité, un sublime père, il donna son fils au pays, comptait-il le vendre? Servitude, quand on sent l'homme inoffensif, pourquoi frémir, ma chère? C'est nous qui le rendons mauvais. Je ne mets pas ce drapeau en enfilant plainte l'autre jour dans mon bazar. Le sang pâle de vos pleurs s'offre en vain aux pleurs rouges de son sang. Au but plein de haine, il veut tuer davantage ce mort qui le narre. C'est bien ça qui a été. Le moribond criait « Maman !» de l'arrière, le jeune journaliste a entendu « Vive la France !» Lorsque l'obus le fit danser, il se révéla très ingambe et tout guéri de mourir. Est-ce une pensée ultime qui, dans son œil, bouge? Non, c'est la première larme.
de sa poitrine déchirée sortit, en guise d'âme, un portrait de fillette blonde. Soldat trop susceptible, l'obus insulte, sa figure s'empourpre. Toutes les mises à feu sont sur le blog et en mai, bah vas-y, non, sur le tas, hein, ça en fera une de plus. Ça prend pas. Ah bah, attends, mais... Dis donc, viens, c'est pas mon jour, je parle. Moi, tu vas trop vite. Allume plus près et va pas parce que ta flamme et mets-la comme ça ta flamme après. Je pense que c'est un peu. Parce que si tu vas trop vite, ça s'éteint, tu comprends? Elles sont pas douées là. Lorna, elle a pas réussi non plus. C'est quoi? Lorna, une fille. Les gens ne servent plus les allumettes. Mais si, je m'en sers. Ah bon? Mais aujourd'hui, je suis pas arrivée. Allez, allume-toi. Mais un petit vent aussi, non? Ah, mais je sais pas. Ah, c'est bon là. Oh, ça va partir. Tu vas voir, reste ici, là. Non, tu vas voir. Ah non! Vas-y, remets. Ah, voilà, allez, mets, ah, sur le, mets sur le tas. Voilà. La mise à feu. Juliette s'est mise à faire du tricot ce matin pour la première fois de sa vie. Tu essaieras de faire du tricot aussi, Léonore, tout à l'heure? Ouais. C'est fascinant le feu, hein? Non, il n'y a pas que. Et donc, vendredi, comme on a mis, comme on est dans le 13e. Bon, ben, c'est comme si c'était des obus, comme si c'était des armes. C'est les gros canons, là. Les gros canons, voilà, c'est ça. Et donc on a mis l'accent sur les travailleurs chinois. Et donc l'illustrateur de ce Te souviens-tu de Wei est venu faire des dédicaces vendredi. Et il a plu des trompes d'eau quand il est arrivé. Ça c'est les blessés, ma chérie. Ouh là là, touche pas. Non, faut les laisser. Parce que tu sais quoi, ils sont déjà pas en forme. Hein. On va aller les chercher. Après, tu iras les chercher là, s'il y a des blessés, on verra. Pour les soigner après. Et donc, Marie Curie est là pour les soigner. Tout en feu, c'est ça? Ben, ça dépend. Hein. Des fois, il y a des survivants, des fois, il n'y en a pas. Hein. Alors, quand ils sont indemnes, on les refoule dans la boîte pour la fois d'après. Et puis, des fois, il n'y en a pas. Tu vois, là, par exemple, il va y avoir un survivant. En fait, ils sont condamnés, quoi qu'il arrive. Non. Est-ce qu'ils reviennent dans la boîte des prochains? Ah ben, c'est ce qui se passe. Quand ils sont indemnes, quand ils sont blessés, ils sont soignés. Oui, mais les indemnes, en fait, ils sont pas condamnés. Bah, c'est ils vrai. Ils reviennent dans la boîte. Bah oui, mais hey, ma chérie, c'est quoi la vraie guerre? C'est toujours comme ça. Hein, okay. Et donc, là, on avait fait masque à gaz pour les gaz toxiques. Atelier masque à gaz pour les gaz toxiques. Regarde les masques. Ah, tu viens de voir après si tu veux cacher. Bah après, laisse-la regarder le feu parce que ça fascine le feu. Ça, c'est Siméon, un garçon de 13 ans qu'il a fait. On a fait Croix de guerre aussi. Bah, tiens, Gilbert qui était là, il a fait celle-là, la posthumeur. Et puis plein de choses, diverses et variées. T'as un blessé, là, tu vois, Gilbert. Tout à l'heure, là, oui. Lui, il est blessé, c'est sûr. Il ne sera pas brûlé complètement. Mais après les aussi, autres. Elle va peut-être brûler, là, tu n'en sais rien. Parce que des fois, tu as l'impression que ça s'éteint et hop, le feu, il repart. On ne sait pas. Alors, on a fait des livres et jeux pour les enfants, là. Mais elle est un peu petite. Elle est voilà. Ah oui. Enfin, tu peux, tu sais quoi? Tu sais, dans le. Mais elle est un peu petite pour le. Elle peut relier les cloches. Elle connaît 1, 2, 3, 4, 5. Prends-en un. À mon avis, elle est bonne à rien là.
Non, pas maintenant. Derrière, là, la cloche, c'est peut-être... Ah, oui. Elle arrivera peut-être à relier, je sais pas. Ah oui, ça tu sais faire. Là, il n'y a pas beaucoup de turbulents. Non. Je me souviens que tu as déjà fait ça à l'école. 1, 2, 3, 4, 5. Quel massacre, non, du coup. 900 morts par jour en moyenne, du côté français pendant la guerre. 14. Pardon ? Et on continue en plus après, on continue à envoyer quand même. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est que ça a été la boucherie. J'ai des fraises, des cerises. Tu veux pas dans le... Là-bas, j'ai des cerises dans mon sac. Tu parles à la main ? Non. Enfin, tu peux en prendre aussi. Tu peux en prendre aussi, j'ai des cerises. Il marchait dans le sac. J'ai eu comme cadeau d'anniversaire le sac de laine. Mais aujourd'hui, il y a moins de monde parce que le dimanche, c'est moins passant, mais il y a quand même du monde. Et c'est chouette. Mais les gens, ils sont au courant que c'est un truc spécial ou il y en a qui... Du coup. Comment ça s'est passé alors? Alors, j'ai une copine qui est venue, par exemple, Hélène, elle a lu Echnoz tout à l'heure, des 14 d'Echnoz, le bouquin, elle a lu des extraits. Hier, il y en a qui ont chanté, La Butte Rouge et Craon. Il y a eu les quiz, là, il y a eu cet après-midi, hier après-midi, un quiz. Après, on a eu les filles, et demain elles reviennent, elles ont lu « Ouh, papa, on n'éteint pas, tous les gosses font ça !» Eh ben, je vais sauver les allumettes. Et elles ont lu des albums jeunesse. Pas sur le sujet, quand même. Si, mais sympa. Au contraire, la guerre des cloches, hein, c'est la fonte des... Comme ils avaient tellement, il n'y avait plus de métal, hein. Et ben ils ont fondu les cloches. Et qu'est-ce que ça a fait quand le canon il a tiré le obus? Ça fait ding. Et donc l'autre général il avait fait la même idée. Donc il a fait dong. Et donc ça fait ding dang dong. Et tout le monde est sorti des tranchées. Et tout le monde...